chez Gustave Morissel. Gustave Morissel est un de nos poilus de la guerre de 14 et nous sommes venus lui rendre visite pour consulter son livre d'images. Dites-moi, Gustave Morissel, vous êtes d'un de nos poilus de la guerre de 14, mais en 14, vous étiez déjà soldat? Mais bien sûr, je suis de la classe 13. Et la classe 13 a été incorporée à 20 ans. Et au mois d'août 14, je suis passé du régiment de l'Ouest vers le Nord. Et de là, j'ai fait toute la campagne, j'ai changé de régiment plusieurs fois. D'abord en 15, quand je suis remonté pour la deuxième fois au front, j'étais versé dans un régiment d'élite, la division Acier, un régiment de Toul. J'ai fait l'attaque de Lévis-Saint-Vaast. Après, je suis passé à Saint-Verlier-Gouttes et j'ai fait l'attaque de Champagne, en Champagne 15, blessé très grièvement. Vous avez été blessé, donc, vous vous souvenez quand ça s'est passé? Le 30 septembre. Vous vous souvenez du jour? À 6h du matin, 6h du matin, au cours d'une charge à la baïonnette. Mais alors, vous vous souvenez quand exactement vous avez été blessé? Oui, le 30 septembre, 15, à la bataille de Champagne. Au cours d'une attaque, le matin, j'ai pris une balle qui m'a traversé le cou de part en part. Et savez-vous qui m'a soigné? Vous avez entendu parler de Jean Marsac, le chansonnier. Oui. Eh bien, il était major à mon régiment, et c'est lui qui m'a soigné ma blessure au poste de secours. Et moi, j'étais sur l'enterrement, d'ailleurs. Et j'ai dit, passons. Et vous avez été, donc... Alors, après, j'ai fait de l'hôpital. Oui. Je suis retourné au front en 1916, où j'ai été blessé le 1er juillet dans la Somme, au cours de l'attaque dans la Somme, blessé très grièvement également. Ça a été ma finale pour le football. J'étais capitaine d'équipe de football au régiment, oui. Mais on m'a interdit formellement de jouer au football après, parce que ma blessure était très grave. C'est grave de détails. Et depuis ce temps-là, je n'ai jamais touché un ballon. Mais je vais regarder chez les autres. Alors tout ceci se passait sur le front européen. Ben oui, ensuite, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, j'ai donc été resté à l'hôpital, ou assez longtemps d'ailleurs. Et en 1917, Diri, on m'a envoyé faire un stage de mitrailleur, télémétreur, à Arbois, dans le Jura. Donc je suis sorti télémétreur. Et comme c'était pour l'armée d'Orient, j'ai été envoyé en Orient, où j'ai atterri dans un régiment, le 371. Mais alors, comment êtes-vous parti là-bas? Ça se passait comment? On n'a pas en avion encore? Non, par le train jusqu'à tous les allées, jusqu'à Tarente. Là, on a embarqué sur un paquebot, le Tigade. Nous avons atteint la Grèce à Icéa. Et ici, on a pris les camions sur une route qui n'était même pas terminée, faite par des prisonniers bulgares et autrichiens. Et nous avons atterri en Macédoine, où je suis resté pendant un mois. Et puis, direction le front, en 371, à 1704 mètres d'altitude, dans la montagne, où je suis resté 10 mois en ligne sans quitter les lignes. Comme j'avais mes titres de télémétreur, j'étais désigné comme observateur dans un poste d'observation où les artilleurs venaient faire leur pointage pour tirer sur en face. Je dois vous dire tout de suite que j'ai beaucoup de morts sur la conscience, parce que quand j'avais dénichié un lit en face, j'appelais les artilleurs qui chargeaient de le nettoyer. Passons. Je faisais mon métier. Voilà.